Salut à tous, c'est Dax et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo là, tuto, deuxième tuto canon à mob. Alors on m'a fait découvrir juste à l'instant ce petit canon à mob. Alors c'est un truc tout simple, tout con, mais assez qui donne un effet assez rigolo. Alors vous voyez à quoi il ressemble, une grande tour avec deux carrés de demi-dalles. Alors on va le refaire maintenant tout de suite pour vous montrer. Alors il vous faut de la bouse et beaucoup de demi-dalles, enfin beaucoup, assez quand même, c'est toujours mieux. Alors vous faites une grande tour en bouse comme ça, comme si vous vouliez marquer votre chemin, et vous posez une demi-dalle au milieu, vous faites un carré de 3x3, ce qui donnera 9 demi-dalles pour la base. Ensuite vous faites ça pour pouvoir poser des demi-dalles ici, mais ça vous pouvez le casser en remettant un bien au milieu comme ça, et là vous refaites encore un carré comme ça. Ouf. Non, celui de milieu là vous pouvez l'enlever à condition de casser celui là au moment de l'éjectage. Alors, et je vous montrerai après aussi une petite variante assez sympathique. Tac, voilà, c'est bon, votre piège est prêt. Et vous prenez un œuf de n'importe quel mob. Moi je vais prendre des vaches parce que ça c'est sympa, les vaches. Par contre là vous allez voir un bruit assez énorme. Il faut vraiment spammer clic, mettre un max, histoire qu'on ait un joli truc qui se passe. Bon, je vous reprends tout de suite dès que j'ai fini de mettre mes vaches. A tout de suite. Ça y est, j'ai bientôt fini de mettre mes vaches. Donc vous voyez, ça fait un gros pâté noir comme ça. Plein de petits traits noirs à cause des petits bugs graphiques. Et ensuite, tout simplement, vous pétez ce bloc. Bon, des fois ça marche, elle part directement. Mais moi, je vais aller m'y incruster. Et vous allez voir, je vais être éjecté avec les vaches. Et les vaches, vous allez voir une pluie de vaches. Voilà, une petite pluie de vaches. Avec aussi une pluie d'items. Et une pluie de plein de choses, de viande. Vous aurez de la viande à l'infini. Qu'il en reste souvent à la fin. Mais bon. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Faire ça, par exemple. Les tuer à coups d'éclair. Tac. Voilà, comme vous voulez. Alors, je vais vous montrer la petite variante. Désolé pour les bruits de porte, hein. Si vous faites aussi une tour, mais avec un bloc tout simple comme ça. Et pareil, vous spammez ici un peu au-dessus des vaches, histoire qu'elles puissent tomber et qu'elles soient bien à leur place. Alors pareil, vous spammez. Toujours un max de vaches. Voilà. Et ensuite, vous positionnez un bloc là. Et voilà, une pluie de vaches qui crève. Et vous avez des millions et des millions, le milliard de millions d'items. Petit bonus aussi. Une commande assez sympa. C'est Kitty, Kitty Canon. Ça. Voilà, vous balancez les chats, ils explosent. C'est rigolo. Moi j'aime bien ça. Ça fait péter des chats à toute volée, voilà, vous balancez des chats où vous voulez. Ça fait pas de dégâts par contre. Et voilà. Vous pouvez même les retaper comme ça. Tac. Regardez, vous balancez un chat et vous le retapez derrière. Voilà, bon, c'était le petit bonus. Bon, je vous dis à la prochaine vidéo les amis. J'espère que ce petit tuto débile vous aura plu. J'espère que ça vous plaira. Et que vous pourrez reproduire ça chez vous, que je l'aurai bien expliqué. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Allez, bye bye.